Aujourd'hui les gars, je vous réserve du sale. À force de progresser et de gagner mes combats, je me suis retrouvé aux portes du top 100 mondial. Et à la manière d'un Dana White, le matchmaking a voulu me tester face à ce qu'il se fait de mieux sur UFC 5. Allez, c'est parti. Alors lui, il est en train de me mettre des grosses pêches. Il a bloqué. Il a l'air pas mauvais au sol, hein. Now lands a kick to the body. Beautiful kick. Oh man, how is he standing? Brutal knee to the body. C'est un combat là, on va s'épuiser, je pense, hein. All right, so a good job defensively by him here as he raises the guard and prevents any damage. Shades of James Toney. Always seeing things coming at him. Such a great. Je suis pas mal. Il fait des waouh. Il a un coup de pied, mon pote. Ok, c'est bloqué. Ouh, joli ça. La Sam, ça va être chaud. 90 seconds to go in round one. There's that body shot. Oh, and he caught the kick. Leg attempt here. Nice job to catch the leg and work it into a takedown. Oh, le chien. Bien joué. Oh, bien joué. Je me sors de cette merde. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. Timely defense there, huge block for him. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, mais ah, il y a la peur de se faire contrer qui est violente. Non, je vais gérer. On se retrouve dans le deuxième round, mon chef. On a eu des bons petits échanges là dans ce premier round. Franchement, le gars, il est bon. Et le flying knee que j'ai pris là, waouh, juste avant ce crochet, terrifiant. Allez, c'est parti, deuxième reprise. Putain, la portée du truc, le gars, c'est l'inspecteur Gadget là. Ah. Beautiful technique on the straight right hand. Lands the kick to the body there. Nice body shot. Oh, oui. Right over the top, right to the target. Let's see if his opponent can survive. I cannot believe. Ooh. Ooh, le bras air. Ouh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je vais me relever. Ah là, c'est chaud là. Oh bordel. Je pense que là, son coup de pied là, il va plus me le refaire. Pied de fou là, il a failli se faire cueillir. Oh, another beautiful body shot there. You see the damage starting to accumulate. Maybe some defense would be wise at this point in the fight. I think so, John. You can't just get beat up to the body. It doesn't show itself right away. It takes time whenever you're beating somebody up from the body and working your way up to the head.
But right now we are starting to see the damage, and you see it not only in the body, but in the reactions of the opponent. Alors là, je suis pas mal là. C'est bloqué. C'est bloqué ça, mon chef. Voilà. Voilà. On est en train de renverser la tendance, les gars. On va pas laisser ce combat se faire debout. Parce que là, c'est chaud. On y retourne de suite. C'est bloqué. Reste ici. Reste ici. Et il rush kit. Et il rush kit. Va là-bas, imbécile. Ah, je suis content parce que le gars, il était bon, tu vois. Debout, il était en train de m'éteindre. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Ça, c'était vraiment l'exemple typique du combat. Je savais que debout, j'allais me faire éteindre. Et je savais que ma seule solution pour l'emporter, c'était soit je lui calais un contre, soit je l'emmène au sol et je le soumets. C'était les deux seules options pour que je puisse gagner le combat. Waouh. Bah ça, c'est du top 100. C'est du top 100 monde, les gars. Donc lui, il va me... Je pense que m'enculer à sec, ça sera pas assez, ça sera pas assez fort. Ok. Ça s'est défendu. Et on se relève. Normalement, je me relève pas. Hein. Allez, on y retourne. C'est bloqué. C'est bloqué, il sort. Oh putain, il sort de la guillotine. Wouh. Et il a fait une Khabib, hein. Alors on va se remettre en sécurité. C'est bloqué. On y retourne. Oh putain, il en sort encore. Il en sort et il se relève. Let's go. Oh, nice job avoiding the damage from that elbow. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Ça, tu vois, c'est le genre de gars. Ouh, mon dieu. C'est le genre de gars avec qui j'aimerais tourner, tu vois. Parce que un gars comme ça, il te fait progresser. Et il veut retourner. Il veut retourner au sol, ça me fait plaisir. C'est bloqué. Ah, il a bloqué Masumi. Oh, leg lock. Putain, c'est rentré. Waouh. Magnifique. C'est magnifique ce qu'il me fait là. C'est bloqué. Ah là là, il est bon. On se relève, les gars. Wouhouhou. On se relève. Les gars, c'est un monstre. Hein. Il est en train de me faire une démonstration. Ok, let's go. Wow. Okay.
you don't know whether to run, hide, grab or wrestle. He's confused. Il se compte là sur le coude. Il a géré. Oh là là, il est monstrueux. C'était le 16e mondial, les gars. 16e. Wouh, ok. Oh, Snoop. Ok, moi ça me va bien. C'est un gars du crucifix, lui. Ah non, Kimura. C'est bloqué. Wouh! Putain, il connecte pas mon uppercut là. Push kick there to the body. Massive head kick. Left hand connection and a right. We march on 3 minutes to go. J'ai bien réussi à skipper les. Oh non, mais je le sais qu'il va aller à la tête en plus. Oh, là, c'est une guerre là. On va éviter de rester dans la full guard, hein, parce que c'est un petit peu dangereux. With the takedown, so a nice job turning that defense into some immediate offense there. He did a great job of turning his defense into his offense. Allez, à mon tour. That is tight. Non. Non, non, mon chef. Non, non, tu restes avec moi, mon chef. Elle passe, les gars. Elle passe, la Soumi. On fait un super combat. C'est une dinguerie, ce combat. That was tremendous defense. Final seconds here. Oh, good defense. Yes. C'est calme, c'est calme, c'est calme. Ah non, c'est pas calme. Ne me tape pas, ne me tape pas, ne me tape pas, frère. Oh les gars, lui, il nous a mis des pêches, il nous a mis des kicks directement. Genre, j'ai cru que j'allais faire une zébo. Et si je gagne ce combat, les gars, je vous le rappelle, c'est un exploit. Je suis pas censé gagner le combat contre un gars comme ça. Attention, attention au contre. Je me suis déjà pris trop de KO comme ça. Il a un menton, le frérot, c'est waouh. Il a un menton, c'est une folie. Je suis là, mon frérot. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, viens. Ah. Moi, je suis là, mon gars. Qu'est-ce que tu me dis? Viens, toi, viens. Ok, allons-y. Single leg takedown is good.
All right, so now we start to see some redness underneath the elbow. You got to think he's going to continue to attack the body with all of his strikes. Et les gars, surtout, regardez bien un facteur très important. Regardez bien la Stam, parce que la Stam, elle est en train de jouer en ma faveur. Je sors de là. Je sors de cette merde. Ok, c'est bon. Non mais c'est bon là, non? Allez, je me relève. Je me relève, je garde ma Stam. Ouh mon dieu, heureusement je l'ai bloqué au dernier moment celui-là. Je suis bien. L'exploit est proche les gars. Je reste à distance, je veux qu'il m'envoie des kicks. Oh non, qu'est-ce que je suis con. Oh, il se lève. Oh non, putain, ça s'était enchaîné tellement vite. Allez, c'est parti. Troisième et dernière reprise. Certainly had their ups and downs, both got the offense going, but now we'll see if one fighter or the other can really take control of what has been a very close fight thus far. And now some separation. Well, it's been a wild fight thus far, perhaps a contender for some bonus money at fight's end. These guys are going to have to dig deep. Ah, putain. They're both hurt. You expected it, though. Et là, il a plus de Stam. You did not expect a war like this, though, where both guys, from the moment they said fight, went forward, got in each other's face, and just beat each other up. It's been tremendous. Circling towards the left now. Fighter connects there. Well, he landed a big knockout in the previous round, and you can just tell his confidence. How's his opponent still standing? I mean, I have no idea. This fight is supposed to be over. And it might not be over now, but it's going to be over very soon. Magnifique. Allez. Allez, on y va. La caméra, putain, la caméra. Ah, il se relève. Nicely done there as he escapes back to his feet. On y va. Sur le dos. C'est bloqué, ça c'est bloqué. Allez. Bloqué. Let's go. Oh là. L'enchaînement magnifique. Oh la dinguerie. Il m'a donné une occasion de le soumettre. Oh, c'était une folie ce combat. Et j'affronte que des cracks, hein. J'affronte que des gars, ils sont chauds. Je suis chez moi. On est dimanche, il est 19h, je suis en train de transpirer. C'est pas normal ça.